Salut tout le monde, c'est Graham Morrison. Aujourd'hui avec le frérot Kaïdé, Tony, on t'appelle comment aujourd'hui gros? Eh, aujourd'hui on peut m'appeler Kaïdé, on peut m'appeler Tony, on peut m'appeler Abdé, on peut m'appeler Abdraman Jakité, plusieurs identités, caméléon. Avant de te présenter tout ça, ça fait bien longtemps qu'on se connaît, faut le dire gros. Ouais, ça fait un bail. 2015. Ouais, un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, je crois, c'est ça, 2015. C'est ça, l'époque des interviews par téléphone et tout. Il faut dire que je te l'ai rappelé dans la voiture, que tu te souvenais même plus, c'était moi qui l'ai fait. Je te jure, une interview par téléphone, je te jure. Voilà, je suis basé, voilà. Tu t'es même pas encore mis à. Ouais, t'avais ouais, pas commencé à faire ces vidéos et tout. Et je me rappelle, on avait fait ça par téléphone, c'était cool d'ailleurs. Bien vu, mon rêve. Bon, avant tout, je te laisse te présenter, tout ça, pour ceux qui te connaîtraient pas. Ben moi, c'est Abdraman Jakité, qui est Kaïdé, et qui est Tony, acteur, rappeur de Marseille. Toi, tu représentes Marseille en général, on va dire, et tu nous as donné rendez-vous ici. On a une grosse vue sur tout Marseille. C'est-à-dire, je te laisse un peu nous montrer, il y a quoi aux alentours, c'est les endroits tiennent à cœur, gros, qu'on peut voir d'ici. De ce côté, t'as le centre-ville de Marseille. Ouais. Après, plus loin, t'as les quartiers nord. Et là, t'as tout ce qui est la Corniche, Andoum, tout ça et tout. Et de l'autre côté, t'as les quartiers sud. Voilà, je t'ai ramené là parce que voilà, je me suis dit que à Notre-Dame-de-la-Garde et de Notre-Dame-de-la-Garde, on voit tout Marseille. Et d'ici, je pense que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Voilà, parce que moi, j'ai traîné dans toutes ces rues-là. Tu vois, Marseille, c'est grand, mais c'est pas immense aussi. Donc voilà, j'ai arpenté les quartiers nord, quartiers sud, centre-ville. J'ai tourné de partout. Ouais, du coup, de base, toi, t'es un mec d'Anville en plus. Ouais, de base, je suis du centre-ville de Marseille, tu vois. J'ai grandi entre la gare et le Vieux-Port, comme ils disent dans Belzunce-Bugdin. Voilà, j'ai grandi aussi à Belzunce. Et après, j'ai été au lycée dans les quartiers nord, vers Bassins, là-bas, au lycée La Floride. Ça fait que j'ai été aussi au lycée dans les quartiers sud aussi. Et ça fait que voilà, Marseille, on a fait le tour, quoi. On connaît, quoi. C'est chez nous, c'est la maison. Quoi. C'est ce que là-bas, un peu, c'est là-bas, là, d'où tu viens, dans le centre-ville, que ça t'a. Je sais pas si t'as branché au début avec le rap, avec l'acting peut-être, c'est ce que c'est là-bas que t'as découvert tout ça on va dire. Ouais, c'est au centre-ville de Marseille que j'ai découvert tout ça, parce que voilà, c'est là-bas où j'ai grandi jusqu'à l'âge de jusqu'à mon adolescence, quoi, tu vois. J'ai été beaucoup dans les rues du centre-ville et c'est là-bas que j'ai appris à faire tout ça. C'était quoi ta première approche du rap, tu vois, par exemple, ton plus lointain souvenir du rap? Oh, moi j'avais mon grand frère qui était dedans aussi déjà, tu vois. Il rappait dans un groupe qui s'appelait Carré Rouge. Donc j'ai toujours baigné dans la musique et dans la culture hip-hop, tout ça. Récemment, avant de sortir les chroniques de Kaïd, tout ça, t'as été dans la série Kaïd. Alors déjà, explique-nous ton rôle, voilà. T'as été acteur dedans, est-ce que t'avais d'autres trucs? Raconte-nous Kaïd, c'était comment, même le début, comment c'était? Kaïd, c'est une superbe expérience qui va continuer d'ailleurs. Et voilà, là on est sur la saison 1, la sortie, elle est sur Netflix. C'était une superbe expérience en tant qu'acteur, en tant que rappeur, voilà, parce qu'il faut savoir aussi que ça a été long, tu vois, ça a été très long, parce que c'est un travail de 5 ans, tu vois. On a gagné le festival du Polar de Cognac avec le long métrage, après Netflix a racheté le projet, on a fait une série, et franchement c'est que du bonheur, hein, que du plaisir. Et comment ça s'est créé l'idée de Kaïd, on va dire? Qui c'est qui a l'idée de ça de base? L'idée en fait elle vient de Ange Basterga. En fait, qui est le créateur de Kaïd, qui m'a contacté après avoir vu des freestyle vidéo à moi, il m'a contacté. Et du coup, on a travaillé sur le projet et ça s'est fait nickel, quoi. Ça s'est fait, on dirait que l'alchimie, elle s'est faite et on a bossé dessus à fond et ça s'est fait. Et c'était ta première expérience d'acteur ou t'avais fait d'autres trucs un peu avant? C'est pas ma première expérience d'acteur, mais c'est mon premier gros rôle en fait. C'est mon premier gros rôle, mais c'est pas ma première expérience d'acteur. J'avais déjà tourné dans quelques téléfilms et tout avant ça. Mais voilà, bah, c'était pas des gros rôles importants, mais j'ai toujours été attiré par le cinéma. Et du coup, pour moi, ça a été naturel d'y revenir plus tard. Imagine, t'as le choix. Genre, je sais pas, tu peux choisir entre tout niquer dans la musique, tout niquer dans le cinéma. Tu choisirais lequel, toi? Ah, quand tu me demandes ça, c'est comme choisir entre son père et sa mère, tu vois. Tu vois, moi, franchement, j'aime les deux, tu vois. Je suis un mec qui kiffe l'art. J'irai les deux. Je suis pour les deux. Bon, sinon, récemment, après Kaïd, t'as fait les chroniques de Kaïd. Alors, explique-nous le délire, explique-nous le concept, explique-nous
T'en es où dessus? Jusqu'où ça va aller? Eh ben, les chroniques de Caïd, eh ben, c'est des anecdotes de la vie de Tony. C'est en attendant la saison 2. Ça raconte un peu le parcours de Tony. C'est histoire de faire patienter le public et de montrer quelques anecdotes de la vie de Tony. Et après, je ne peux pas tout vous dire, mais ça va continuer jusqu'à l'épisode. Il y aura 10 épisodes. Il y aura 10 épisodes pour la première saison des chroniques de Caïd. Voilà. Et puis raconte-nous du coup le personnage de Tony. Bon, c'est un personnage important dans la série. Mm-hmm. Est-ce que déjà toi tu te ressens dans lui peut-être? Et comment dire? Et raconte un peu c'est qui déjà, même pour ceux qui n'ont peut-être pas vu Caïd, tout ça, tu vois. Eh ben Tony, c'est un dealer qui a des rêves et qui lui semble impossible à atteindre et qui va se rendre compte qu'il y a un moment, il va avoir une opportunité et il va tout faire pour la saisir, mais bon, il y a son passé qui le rattrape, voilà. Comme beaucoup de jeunes de Marseille, tu vois, des Tony et des Moussa aussi, qui est mon acolyte dans la série, il y en a beaucoup dans Marseille, donc c'est forcément que je me suis ressenti dans ce personnage et qu'il y en a beaucoup, je pense, qui se ressentent aussi dans ce personnage, qui sont tiraillés entre les deux mondes. Et j'espère que la suite montrera l'évolution de ce personnage. Bon, puis sinon, les chroniques de Caïd, c'est un dérivé de ça, on va dire. Mmh. Et c'est tout en indépendant, ça, par contre. Ouais, les chroniques de Caïd, c'est tout en indépendant. Voilà, c'est fait avec mon label Killer Industries que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. Je bosse dessus, je suis à fond dessus et... On n'arrête pas, hein. Ils seront pas sauvés par le gang cette fois-ci. Comment dire, dans les chroniques de Caïd, tu penses aller jusqu'à où? Tu sais pas encore, ça reste. Il y aura secret. Plusieurs épisodes, ouais. Il y aura plusieurs épisodes. Après voilà, là on va essayer de rentrer un peu des moments film dedans, des moments d'acting dans les chroniques de Caïd, l'intégrale qui sera plus tard. Et voilà, on va tout faire pour pousser le truc et faire plaisir au public. Et est-ce que tu penses que toi Caïd, grâce à l'acting et tout, que t'as vu que t'as été acteur dedans, ça t'a apporté des trucs dans la musique, du coup peut-être des auditeurs, peut-être des contacts avec des rappeurs, je sais pas. Oui, beaucoup. Ça a eu des répercussions sur ta musique, on va dire, Caïd. Bien sûr. Ça a eu des répercussions pour ma musique. Faut savoir que j'ai fait la bande originale de Caïd. Voilà, donc ça a eu beaucoup de répercussions sur ma musique parce que j'ai fait la bande originale, j'ai fait Freestyle Caïd 1, Freestyle Caïd 2 et 3 qui sont en ligne sur toutes les plateformes. Et comme je joue aussi le rôle d'un rappeur, du coup, voilà, ça crée des liens. Il y avait qui sur la bande originale un peu? Je crois qu'il y avait Naps. Il y avait Naps aussi sur la bande originale. Il y avait Niro, il y avait Soso Manes, il y a plusieurs rappeurs dedans. Il y a SCH aussi. Et voilà, il y a Rimkus et il y a Osem aussi qui est dessus et moi, Kaïdé. Voilà, sous le nom Kaïdé, je suis dessus. Bon, Kaïdé, c'est un nom, il vient de loin déjà. Déjà, à tes débuts, tu l'avais, gros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Killer Instinct Determined. Ça change pas. Voilà. C'est un blast que j'ai eu quand j'étais petit. Voilà, on m'appelait Kid. Après, on m'appelait Kaïdé. Après, on m'appelait Kaïd. Et voilà, du coup, c'est resté. J'ai pas voulu changer. En plus, je pense que ça me va bien. Kid, Kaïdé, Killer Instinct Determined. Ça bouge pas. Voilà. Du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un avant et après Kaïd dans ta carrière? Ah, bien sûr. Je peux pas le nier. Il y a eu l'avant et l'après Kaïd. C'est clair. Voilà, ça m'a donné plus de visibilité. Mais bon, voilà, après le chemin, il n'est pas fini. Voilà, moi, j'ai plusieurs objectifs dans ma vie, tout, en tant qu'acteur, en tant que rappeur aussi. Et voilà, on essaiera d'aller plus loin, voilà. Préparer un projet sous le nom de Kaïdé, qui sera pour plus tard, pour 2023. Et en acteur aussi, je prépare un autre film avec Mehdi Ben Salah qu'on est en train d'écrire, qui n'a rien à voir avec Caïd. Et voilà, il y a plein de projets en tête, voilà, dans l'acting et dans la musique. Tu vois, on va essayer toujours de pousser le truc plus loin et d'y arriver. On en avait déjà parlé, je t'avais déjà envoyé ça par message et tout, mais à chaque fois, souvent quand je vais dans d'autres pays, j'entends parler de Caïd. Quand tu me dis, parle des films français, séries françaises, il me parle de Caïd. J'ai entendu en Suède, en Allemagne, en Italie et tout. Putain, ça fait plaisir, ouais, ça. Ouais, t'as vu? C'est-à-dire, est-ce que t'as déjà reçu du soutien de d'autres pays, peut-être? Et est-ce que tu t'attendais à ce que Caïd, ça prenne dans toute l'Europe? Je m'attendais pas que ça prenne dans toute l'Europe, mais j'ai reçu beaucoup de messages d'Allemagne, d'Italie et même des States. Hein.
Ouais, carrément et tout. Et donc ça fait plaisir, voilà, de voir que ça touche, ça s'élargit et que ça va dans l'international. Ouais, c'est vrai que c'est parce que c'est traduit en 8 langues. Du coup, voilà, ça a tourné dans l'Europe et en Amérique latine aussi. L'après Caïd, on va dire, tu le vois comment? Que ce soit dans l'art, dans la musique. Seul Dieu le sait. Hein. Je le sais, moi. Je me dis, voilà, je prends les choses comme elles viennent et j'essaie de faire ça au mieux. Question piquante, peut-être une saison 2 ou quoi? Bien sûr, il y a la saison 2. La saison 2, elle est écrite. Ah. Elle est écrite par Ange Basterga et Olivier Nourek. À part que c'est du 8 fois 52 minutes, je crois. Ah, du coup, ça va être ça. Plus, hein? Ouais, ça va être plus long. Ah, les gens m'ont trop envoyé des messages, oh, c'est court, on veut des séries plus longues, on veut des épisodes plus longs et tout. Eh ben là, voilà, je crois qu'ils vous ont écouté, ils ont fait des épisodes plus longs. Donc la préparation, elle va prendre plus de temps, mais il y aura, j'y crois, la saison 2. Voilà, la dernière question, c'est pas parce que t'es acteur aussi que tu vas pas y passer, mais c'est la question pour tout le monde. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, c'est l'OM. Pour des bains, tu me poses ce genre de questions? Allez, l'OM, minot. Bon, c'est bon, gros. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te retrouve? Eh ben, moi, on peut me retrouver sur Instagram, TonyKaid13. Tu vois, tout accroché. TonyKaid13. Après, tu peux me retrouver sur Snapchat, Tony-Kaid13. Les chroniques de Kaid, c'est sur YouTube, c'est sur la chaîne de mon label, Killer Industry. Après, on se suit, la famille, vous savez, on est ensemble. Hein. C'est carré, mon gars. Merci à toi en tout cas. On attend encore la saison 2. Hein. Merci, frangin. Force à toi aussi. Merci bien.